Mais celui que vous voyez ici est l'original que j'ai fabriqué. Très bien. Il est temps de commencer. C'est beau. Oh, oh! Et vous n'avez encore rien vu. Ah, une étoile filante. La planétologie, c'est l'observation de notre planète et de notre univers. Une profonde compréhension du cycle de la vie forme la base même de notre discipline. Voyez cet astre, c'est notre planète. Et ce n'est que grâce à son abondante énergie vitale que l'humanité a pu voir le jour. Ainsi nous vivons, et un jour nous finissons par mourir. Mais alors, que se passe-t-il lorsqu'on meurt? Le corps se décompose, il retourne à la planète. Dans ce cas, qu'en est-il de l'esprit, de ce qu'on appelle aussi l'âme ou la conscience? En réalité, tout comme l'enveloppe charnelle, l'esprit retourne à la planète. Il se mêle alors aux autres pour former de grands courants qui sillonnent tout notre astre. Ces courants circulent, se rejoignent, se séparent. Et constitue ce que nous connaissons sous le nom de rivière de la vie. Comme son nom l'indique, la rivière de la vie est donc un immense courant composé d'énergie spirituelle. Cette énergie est indispensable à la planète. Elle ne pourrait tout simplement pas exister sans elle. Et donc, si par malheur la rivière de la vie venait un jour à se tarir, sont les bases mêmes de la planétologie. Utiliser la Mako gaspille l'énergie spirituelle? C'est bien ce que ça veut dire? C'est bien ça, oui. Une fois puisée, puis transformée en Mako par divers procédés, l'énergie spirituelle ne peut plus remplir son rôle. Elle est alors consommée par des machines et disparaît à jamais. Vous en êtes sûr? Elle disparaît complètement? Est-ce qu'à l'inverse, on ne pourrait pas imaginer que cette énergie revienne à la rivière de la vie sous une forme différente? Qu'est-ce que vous en dites? C'est intéressant. Non, c'est plutôt saugrenu. Je pense que tu aurais tout intérêt à participer à notre séminaire. Vous avez appelé? S'il vous plaît. Conduisez cette jeune demoiselle à la salle du séminaire. Par ici, s'il vous plaît. D'accord. Oh, je viens aussi.